héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, une équipe de vrais commandos. Contre trop bas, rien ne les arrêtera. G.I. Tu attends, règle le stabilisateur. Non, c'est impossible. La force centrifuge me plaque contre la paroi de l'appareil. Dans mon carquois, la troisième flèche, elle va t'aider à bouger vite. Non, pas celle-là. La troisième, je t'ai dit. Oui, celle-là. Maintenant, règle-la sur courte distance. Sinon, elle traversera le panneau. Ah ben, il se passe rien. Ça va venir. C'est bloqué. C'est coincé. Bravo, tu as réussi. Ne triomphe pas encore, tu n'as pas gagné. C'est une véritable tigresse. Elle a failli m'empêcher de rapporter le troisième élément. Ah, j'ai toujours su que tu le rapporterais. Mais il faut te dire que malheureusement, tout n'est pas allé bien depuis ton départ d'ici. Il y a eu cette ridicule tentative de destruction de New York qui a échoué. Échoué ? Te voilà, enfin ! Te voilà, Destro, mon plus fidèle ami ! Je tiens à te féliciter chaleureusement pour le succès de ta mission. Le succès ? Tu oses me parler encore de succès? Toi qui fais tout pour échouer, toi qui ne comprends rien! Mais qu'est-ce qui te prend? Quel est ce temps? Tu oublies que tu parles à ton chef? Cette stupide tentative de désintégration de New York a donné à nos ennemis les deux choses qu'il fallait justement leur enlever, le temps et l'espoir! Rien ne pouvait plus desservir notre cause que l'échec complet d'une tentative d'exécution d'une menace! Destro, laisse-moi te faire remarquer qu'avec les trois composants indispensables en notre possession, nous sommes invincibles. Même toi, tu devrais le comprendre. Oui, c'est bien exact, oh, oui. Mais pour être certain de conduire victorieusement notre combat, à partir de maintenant, j'exercerai moi-même le commandement. Non, je ne te laisserai pas me faire une chose pareille. Arrête, arrête, je t'ordonne de t'arrêter. Tu m'entends? Arrête. Installe-toi confortablement. Elle va un peu se calmer. Tiens, allez. Ça ne prend pas avec moi, tu es une espionne de Cobra. Non.
dire à tes maîtres qu'ils n'apprendront rien de moi. Allez, on reste tranquille. Nous avons des amis communs toutes les deux. Mais je ne comprends pas. Cette bague, c'est celle de Duke. De Duke? Oui, un grand blond et beau garçon aux yeux bleus. Alors, je vais te dire une bonne chose. Duke sera furieux si on ne s'entend pas. Est-ce que c'est clair? Oui, je crois que cette fois, tout est clair à mes yeux. Yeah! Yeah! Allez, avancez, dépêchez-vous. Nous avons terminé. Notre désintégrateur est enfin prêt à fonctionner. Les héros sans frontières vont entrer en action. G.I. Joe! Halt, esclave! Voilà un traitement spécial de la part de Destro. Oh. Que s'est-il passé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mal à la tête, tout est confus. Malheureusement, je n'en sais rien moi non plus. Mais attention à celui-là, il paraît affreusement cruel. Silence! Je vous ordonne, moi, Destro, de vous adresser à vos peuples respectifs. Vous entendez? Le moment est venu de choisir. Rendez-vous ou je détruis vos nations. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé ces derniers jours et où j'étais pendant ce temps-là, mais Destro a l'air d'être devenu le chef de ces sauvages. Notre grande nation connaît une très grave situation. Le monstre Destro veut imposer sa loi au monde tout entier. C'est toujours plus agréable d'écouter parler ses adversaires quand on leur dicte ce qu'ils doivent dire comme je le fais. Profites-en tant que tu as le pouvoir, Destro. Ce morceau de métal que tu m'as donné est efficace. En me concentrant suffisamment fort, j'échappe au contrôle des soldats. Oui, et tu y réussiras d'autant mieux que le niveau d'énergie dans les bandeaux est bas. Halt, esclave! Va servir à manger aux esclaves, Ma! On peut compter sur eux. Au travail! Ils attendent tous que le bon moment se présente. Lui, là, c'est Ramar. Quand l'heure viendra, il conduira tous les autres esclaves dans leur révolte contre Cobra et ses soldats. Il faudrait que cette heure arrive rapidement. Sinon, on passe à l'action. On en a tous assez d'attendre. Cette heure va bientôt sonner. Oui, très bientôt. Préviens les autres. On sera tous prêts, rassure-toi. Mais comment peut-on être aussi stupide? C'est de l'inconscience! Est-ce que tu aurais des petits problèmes imprévus? Mais comment ça? Le monde entier n'est pas encore à tes pieds? Pas une seule nation ne s'est rendue. Celle-ci veut faire un référendum, celle-là déclare que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais elle devrait savoir qu'elle s'adresse à Destro! Oh, mais elles le savent parfaitement, justement. Et comme elles te connaissent, elles ne prennent pas tes menaces au sérieux, c'est tout? Ah, c'est comme ça! Je vais leur montrer, moi! Baroness! Est-ce que tout était à la bonne température? Oui, Destro! Mets le désintégrateur en action et raye New York de la garde tout de suite! Tu entends ce que je te dis? Ils ont refusé de s'incliner devant mes menaces! Montrons-leur la conséquence de leur insolence! Cobra utilise son rayon désintégrant. Il faut absolument faire quelque chose. Mais c'est le moment de se servir de notre machine. Il suffit de détruire leur rayon avec le nôtre. Et ça vaut la peine d'essayer. We'll be right back.
ils ont anéanti l'effet du rayon, ils doivent avoir aussi un désintégrateur. Voyante déduction. Bravo! Bravo! Ça suffit, les amis. Scarlett est toujours prisonnière, nous devons penser à elle. Si j'arrivais au moins à me souvenir de l'endroit où il se cache. Écoutez, vous autres peuples de la Terre, vous ne prenez pas au sérieux mon désir de conquête? Eh bien, je vais vous prouver que je ne reculerai devant rien. Et en attendant que vous acceptiez de vous rendre, je vais exécuter vos chefs, l'un après l'autre, à intervalles réguliers d'une demi-heure. Et je vais commencer tout de suite avec le général Flagg. Emmenez-le immédiatement et je veillerai personnellement à exécuter la sentence. Est-ce que tu crois que c'est le moment? Oui, on a assez attendu. Duke sera fier de moi quand tu lui raconteras ça. Oh oui, très fier. Arrêtez-les! Tu vois où tu nous as menés? Bravo, mes félicitations! Il y a vraiment le poids de pierre! La récréation est finie! Emmenez-les hors de ma vue! C'est raté, mais au moins on a essayé. Oui, et je dois dire que tu es très courageuse. Duke est notre seul espoir maintenant. Ça y est, tout est prêt. Détends-toi, respire lentement. Laisse tes idées vagabonder sans penser à rien. Tu crois qu'on réussira? On sera vite fixé. Mais en faisant voyager le cerveau de Duke à travers le passé et les souvenirs qu'il a enregistrés, on fera peut-être réapparaître ce qui concerne sa captivité. Regardez, voilà Duke quand il était jeune. Ça se passait dans sa ville natale. À cette époque, déjà, il défendait les faibles contre les méchants. Et maintenant, allons quelques années plus loin. C'est bien, Duke. Continue comme ça. Maintenant, concentre-toi sur la forteresse secrète de Cobra. C'est aussi accueillant que le château de Dracula. C'est bien, Duke. C'est bien. Continue. Concentre-toi. Pense lentement. Ralentis le défilement des images. Hé, hey, regardez cette beauté! Elle a la bague de Duke. Et celle-ci contient tout un système électronique. Et grâce à elle, notre rayon devrait arriver sans difficulté au cœur même de ces forteresses secrètes. C'est parfait. Les composants microscopiques que renferme votre bague vont nous guider jusqu'à chez Cobra. Alors mettez vite le rayon en marche. Cobra exerce ses méfaits depuis trop longtemps. En avant ! En avant! Allez, en avant!
trop puissant. Que fait la couverture aérienne? Dégustez déjà ça! Tout ce gars-ci, c'est la faute de Destro. Sa folie bestiale nous a conduits au bord de la catastrophe. Mais mon génie va nous sauver. La situation devient difficile. Qu'est-ce que tu as? Une grenade magnétique à fragmentation? Bonne idée. Il ne reste plus qu'à filer d'ici. Les chefs d'abord! De toute façon, tu seras exécuté que le combat tourne en ma faveur ou pas, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, en avant! Attrape-le! Scarlett! Eh bien, je crois que j'arrive à temps. Tu trouves? On commençait à se fatiguer d'être les bras en l'air. C'était une position très glorieuse, il faut dire. Plus tard, les Éphysions, la bataille continue. J'ai failli t'apporter des fleurs, mais j'ai préféré t'apporter ça, connaissant tes goûts. Tiens. Ne va pas les arrêter bien longtemps. Ils nous ont battus, tu entends? Ils nous ont battus par ta faute. Il pourra poser des réclamations plus tard. Pour l'instant, laisse-moi préparer ma vengeance. Tu diriges le rayon sur le centre de la Terre. Et s'il atteint le magma, la planète entière va exploser. C'est exactement ce que j'espère. Excuse-moi, mais je suis pressé, au revoir. Ou plutôt, adieu. Non! Il faut arrêter le rayon. Bravo! 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 Je me demande où se cache Cobra. Il est forcément quelque part. Oh! J'avais gagné cette fois à cause de Destro. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aurai ma revanche, vous l'entendez? J'aurai ma revanche! Notre opération se termine finalement par un beau succès. Dommage que Destro nous ait échappé. Je leur ferai payer cher cette humiliation. Je reviendrai me venger. Ils n'en ont pas fini avec moi. Regardez. J'ai réuni les éléments qui restaient à chacun des désintégrateurs et je crois qu'il y en aura suffisamment pour renvoyer la tour Eiffel à sa place. Allez, on y va. Allons-y. Londres? Tu crois?
crois vraiment que la Tour Eiffel se trouve à Londres? Bon, je suis allé un peu trop vite, mais je ne peux plus rien y faire. Tous les éléments sont épuisés. Mais on ne peut pas laisser la Tour Eiffel à Londres. Oh, mais j'ai peut-être une idée. Et voilà, elle sera à Paris dans quelques jours. G.I. Joe!